Au sommaire de cette édition, l'afro-parlementaire des jeunes africains, en collaboration avec le ministère de la Jeunesse, a tenu une conférence publique ce matin à Ouagadougou, une occasion pour les jeunes d'échanger sur les initiatives à prendre pour soutenir les autorités de l'AES dans la mise en œuvre des programmes de développement, éléments à suivre dans ce journal. Qui de Hamzi Kayawoto et Djeli Karim sera le Koundé d'or de cette année? En tout cas, la réponse sonore sera connue dans la nuit du 12 mai prochain à la salle des banquets de Ouagadougou. Le comité d'organisation des Koundé a tenu une conférence de presse ce matin pour faire le point de la 22e édition. Éléments à suivre dans cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savant TV. Le rôle et la contribution de la jeunesse dans la construction de l'Alliance des États du Sahel, AES, c'est le thème de la conférence publique organisée ce matin par l'Afro-parlementaire des jeunes africains en collaboration avec le ministère de la Jeunesse. La conférence a eu lieu ce matin en présence de notre reporter. Il s'agit bien sûr de Sidiki Kabri. Ce cadre permet aux jeunes de discuter des initiatives à prendre pour soutenir les autorités de l'AES dans la mise en œuvre des programmes de développement. Comme les autorités ont créé l'AES en réponse aux besoins actuels, il revient à la jeunesse d'être le moteur de cette institution sahélienne. Cette conférence publique, nous l'avons organisée dans le but de plus orienter les jeunes sur le plan de développement, le développement du Burkina Faso. Voilà, donc aujourd'hui, sur la table, nous allons parler de comment les jeunes doivent s'intégrer dans l'organisation et de l'AES, contribuer au développement de l'AES, notamment le Burkina, le Mali et le Niger. Nous interpellons toutes les femmes, les filles du Burkina Faso, de jouer leur partition dans l'organisation de cette alliance. Parce que ça y va de l'avenir de nos enfants ainsi que de tous ces États. Le ministre de la Jeunesse a encouragé les jeunes à jouer un rôle actif dans la promotion de la paix. Il a soulevé l'importance de renforcer les compétences des leaders de la jeunesse en matière de partenariat et de réseautage transfrontalier pour la bonne marche de l'AES. La jeunesse est le socle de tout pays. Et tout ce que l'on construit, c'est là quand la jeunesse adhère, on est sûr que le futur va être radieux. Parce que ce sont eux les hommes de demain. Le fait que la jeunesse du Burkina Faso, à travers ses organisations de jeunesse et leaders, décide de s'engager pour accompagner le processus et les constructions de l'AES est un fait marquant. Ça montre que nous sommes sur la bonne voie. Et je profite de ce micro pour appeler tous les jeunes du Burkina, du Mali, du Niger, à prendre conscience que personne ne va venir faire l'avenir pour eux. C'est à eux de construire leur avenir et de construire l'avenir des autres générations qui vont venir. Cette conférence, qui a rassemblé de nombreux participants et leaders de la jeunesse, avait pour thème le rôle et la place de la jeunesse dans le processus de la construction de l'AES. Pendant ce temps, le mouvement Jeunesse Réveille-toi, une association qui regroupe des élèves et étudiants, ont décidé d'organiser un panel sur la gouvernance au Burkina Faso. Ce panel se tiendra demain samedi au Jardin Saint-Poré, dans le quartier d'Agnoué, dans l'arrondissement 5 de la ville de Ouagadougou. Écoutons donc le président de l'association, il s'agit de Raphaël Noli. Il s'exprime au micro de Abdoulaye Kinda. C'est le samedi 13 avril 2024, à partir de 9h, et au Jardin Saint-Pauré. C'est un panel qu'on veut organiser, qui sera basé sur un thème central, un Burkina Faso uni et prospère, continuité de la transition pour un Burkina Faso émergent. Nous-mêmes, étant jeunes, nous sommes sortis dans la rue les 30 et les 31 septembre pour dire qu'on veut le président, le camarade président Ibrahim Traoré au pouvoir. Donc c'est à nous, la jeunesse, de décider, puisque le pouvoir du capitaine, ce n'est pas un pouvoir individuel, mais c'est un pouvoir collectif. Il est notre représentant, nous, la jeunesse. Donc c'est à nous de décider, pas à une tierce personne, comme certains groupuscules de personnes, comme les politiciens, qui sont en train de s'exciter et qui demandent la fin de cette transition. On veut qu'on rentre dans une nouvelle ère qui est une révolution. On ne veut plus entendre parler de transition, mais on veut entendre parler de révolution. Puisque quand c'est une révolution, il y aura une refondation totale de la société burkinabé, en quelque sorte. Nous avons choisi deux
panéliste, c'est M. Blaise, le camarade Blaise Quintera, qui est un anthropologue. Et l'autre camarade, c'est le camarade Batuno Alassane, dit Batuno de Kion. Le public cible, c'est les élèves et les étudiants. Comme le nom du mouvement l'indique, Jeunesse Réveille-toi est un centre idéologique, voilà, de transformation de la mentalité de la jeunesse burkinabé. Donc c'est un mouvement étudiantin et c'est le public cible, c'est les élèves et les étudiants qui vont quitter les arrondissements, qui vont quitter les régions et qui vont converger vers Ouagadougou pour ce lancement de ce panel-là. Lutter contre le terrorisme et restaurer l'intégrité du territoire national reste le combat de la mobilisation des organisations de la société civile et des mouvements spécifiques derrière la transition. Ces organisations de la société civile l'ont encore rappelé le week-end dernier à Bobo-Dioulasso, la capitale économique du Burkina Faso, au cours d'une rencontre entre les coalitions Burkina Alala et Yelema Onroya. Pour ces acteurs, les patriotes doivent activer la sentinelle à ce mouvement où l'on parle de manœuvres de déstabilisation. Et c'est un reportage signé Nongasida Thomas Sondo de Savan Media West. La patrouille, la mort. La patrouille, la mort. Abat les ennemis du peuple. Abat les ennemis du Faso. Ce que vous voyez dans les ronds-points depuis un certain temps ne doit pas être préjugé. Ils apportent à leur façon leur contribution à l'effort de paix entrepris par les autorités pour la reconquête du territoire. Voilà en substance le message des visiteurs de la coalition Burkina Alala qui est elle-même convaincue que seule la lutte libère. Pour la coalition Yerema Horaya, la veille citoyenne doit être portée pour parer à toute éventualité. Nous lançons solennellement un appel à l'endroit de toutes les VR, de par les ronds-points du Burkina Faso sur toute l'étendue du territoire, nous les encourageons à emboîter les mêmes pas, à œuvrer à ce que la veille soit mobile. Nous lançons un appel à l'endroit de la population à une franche collaboration, à signaler tout mouvement suspect, à signaler tout comportement suspect. Visiteurs et autres ont évoqué plusieurs sujets de l'heure, parmi lesquels la question de l'électricité et les efforts déployés par nos combattants face à l'hydre terroriste. Pour ce qui concerne l'électricité, nous lançons un appel encore à l'endroit de la population à éviter la surconsommation, la surcharge qui crée souvent les délestages, les petites coupures à travers nos différentes grandes villes. Les frigos qui ne sont pas nécessaires, les climatiseurs, les ventilos, les branchements, toutes sortes de branchements qui ne sont pas nécessaires dans nos familles, dans nos cuisines, dans nos lieux de travail, que la population œuvre à s'en départir de cela, à les débrancher. Nous saluons l'effort du président Ibrahim Traoré depuis son arrivée à œuvrer à ce que nos militaires, nos FDS soient conséquemment armée pour faire face à l'ennemi intérieur et l'extérieur. L'union fait la force, dit-on. Un adage que partagent ces organisations de la société civile, convaincues que le renforcement des liens et la mutualisation des forces est un élément important pour gagner la lutte. Cette fois-ci, nous parlons contribution à l'effort de paix. La société Birba et Fils a offert la somme de 20 millions de francs CFA pour soutenir les forces de défense et de sécurité, ainsi que les volontaires pour la défense de la patrie engagés sur le théâtre des opérations. Retour justement sur cette remise avec Issa Oumarati. Ils payent aussi le lourd tribut dans cette guerre contre le terrorisme. Eux, ce sont les artisans miniers qui rasent les murs depuis le début du terrorisme au Burkina Faso. Mais ils ont décidé de mettre de côté leur situation difficile et mettre la main dans la poche pour soutenir les efforts des autorités de la transition dans la lutte contre le terrorisme. Un chèque d'un montant de 20 millions de francs CFA a été remis au ministère en charge des mines par l'entreprise Birba et Fils au compte du Fonds de soutien patriotique. C'est pour répondre à l'appel du président de la transition, le président Ibrahim Traoré, que tout un chacun, tout un Burkinabé qui peut quand même soutenir cet effort de paix, de le faire. Voilà pourquoi ce matin nous sommes là avec notre chèque de 20 millions pour émettre à monsieur le ministre afin qu'il puisse quand même aider nos forces de défense et nos VDP qui sont sur le terrain à pouvoir bien combattre le terrorisme.
Ce geste, selon le ministre Yakouba Zabré-Gouba, sonne comme un message aux autres artisans miniers à emboîter le pas des donateurs du jour pour la restauration totale de l'intégrité du territoire. Le combat que le gouvernement mène pour pouvoir recouvrer l'intégrité du territoire national. C'est un geste, certes, symbolique, mais qui traduit aujourd'hui l'accompagnement de tous les fils du pays pour que, dans les jours à venir, on puisse effectivement permettre à l'ensemble de la population de retrouver leur village d'antan. C'est un geste, comme je l'ai dit, symbolique, mais qui doit être un élément catalyseur permettant aux autres sociétés de suivre cette initiative. Donc nous saluons à juste titre aujourd'hui ce qui a été apporté et j'ai pu les rassurer que cette contribution de 20 millions va contribuer à accompagner les VDP et cette contribution sera utilisée à bon escient. Les donateurs disent avoir retenu le message et promettent de sensibiliser leurs autres collègues à faire pareil. Après Bobo Dioulasso, c'est dans la cité du Cavalier Rouge que se tient l'atelier sur la formation et la sensibilisation du ministère des Infrastructures et du Désenclavement. Durant 72 heures, des journalistes venus de 8 régions sont outillés sur les missions et actions du dit ministère. L'ouverture officielle de l'atelier a eu lieu hier à Koudougou. On fait le point avec Kitoura Simpouri. Durant 3 jours, environ une cinquantaine de journalistes seront outillés sur les missions du ministère des Infrastructures et du Désenclavement. Une activité deuxième du genre après celle de Bobo Dioulasso. On est toujours interpellé par rapport à la construction des routes. À chaque fois, nous sommes interpellés dans la presse sur certaines malformations de routes, sur certaines insuffisances de routes. Je crois qu'il était de notre devoir de vous expliquer comment on aboutit à une route carrossable. Et à travers cet atelier que nous rappelons est le deuxième, puisque le premier atelier on l'avait organisé dans le mois de décembre. Reste les journalistes du Grand Ouest, et il était normal que nous puissions couvrir les autres régions du Burkina. Donc c'est dans ce sens que nous avons tenu à la suite du premier atelier pour que ceux des autres régions puissent en tout cas s'approprier les missions et l'organisation de notre ministère. 12 communications seront livrées aux hommes et femmes de médias durant ces 72 heures par les cadres du ministère. Elles porteront sur les enjeux et les opportunités liées à la planification, à la programmation et à la réalisation d'infrastructures. Le directeur de cabinet du dit ministère invite les journalistes à être des relais auprès de la population. On croit que pour réaliser une route en 3 mois, en 2 semaines, ça peut se faire. Et nous sommes tous dans la même dynamique, mais je crois qu'avec la réalité du terrain, on a compris qu'une route ne se réalise pas du jour au lendemain. Il faut des études, il faut des financements, il faut certains ajustements et aussi il faut des entreprises performantes. Et à travers les différentes communications qui vous seront livrées par les techniciens du ministère, cela vous permettra de vous approprier mieux de ce que le ministère fait. Nous souhaitons votre accompagnement afin de partager la bonne information auprès des populations. Pour cette fois, 8 régions du Burkina sont concernées par l'atelier d'information et de sensibilisation sur les missions et actions du ministère des Infrastructures et du Désenclavement. L'atelier se tient du 11 au 13 avril prochain. Dans l'actualité de ce soir, nous parlons également de l'ACEP Burkina qui récompense ses clients à travers un jeu tombola qui s'est déroulé entre le 22 janvier 2023 et le 20 février 2024. Plusieurs clients de l'institution financière ont reçu le vendredi dernier des lots allant de bons d'achat à des bons tricycles. Les précisions avec Samuel Moko. Son casque d'abord avant de prendre la clé de son tricycle. Et suivez son tout examen. Comme Séné Gasbeogo, client de l'institution financière ACEP Burkina, gagnant du gros lot, ils sont nombreux, les clients qui repartent avec des lots, des bons d'achat, des bons de scolarité, des réfrigérateurs et bien d'autres.
C'est ainsi que l'ACEP Burkina célèbre ses clients. Il y avait des conditions à remplir. Il fallait déjà être client, il fallait épargner. Et sur la base de vos mouvements, de nombre d'opérations, de vos capacités d'épargne, il y a des notes qui vous sont attribuées. Donc aujourd'hui, nous avons récompensé vraiment les meilleurs épargnants, ceux qui épargnent beaucoup et de façon régulière. Le jeu a été organisé avec l'implication des autorités compétentes. Les clients ont tour à tour exprimé leur reconnaissance à la maison financière ACEP Burkina. Bon, je viens d'obtenir un réfrigérateur. Je suis très très content d'avoir ce lot et je continue à faire des efforts pour gagner plus. On les remercie beaucoup. Et puis on souhaite longue vie à eux et longue vie à nous. Tu vas l'utiliser, ça va me servir beaucoup. Non, comme c'est un bon, c'est la nourriture, on m'a bien régalé. Longue vie à eux, surtout que Dieu vraiment les accompagne toujours. L'ACEP Burkina continue ses innovations. Elle met en place deux produits, à savoir l'épargne Sunogo et l'épargne pèlerinage. Et ACEP a vu la naissance de deux nouveaux produits d'épargne, c'est-à-dire l'épargne Sunogo pour mieux préparer vos événements et puis l'épargne pèlerinage pour permettre à nos fidèles musulmans d'aller à la Mecque et pour permettre aussi à nos fidèles chrétiens de faire un pèlerinage vers Lourdes, Rome et ainsi de suite. L'ACEP Burkina est une institution de microfinance fondée en 1986. Elle a pour mission de proposer des services financiers de qualité et accessibles aux Burkinabés. Qui pour succéder à Smarty comme Condé d'Or. En tout cas, le public aura la réponse le 12 mai prochain à la salle des banquets de Ouaga 2000. C'est l'annonce faite par le commissariat général des Condé d'Or. Ils ont tenu une conférence de presse ce matin et nous restons justement avec vous, Samuel Moko, pour revivre cette conférence de presse. Ils sont trois nominés pour le Condé d'Or 2024. Il s'agit du Gandaogo national, Amzi, du Maouland Naba, Kayawoto et de Djeli Karim. Le maintien des Koundé 2024 est une manière pour le commissariat général des Koundé d'exprimer la résilience du peuple burkinabé. Et il y a les nominés par catégorie qui viennent d'être sortis et qui seront soumis au vote pour que les jurys puissent avoir matière à travailler en attendant la prochaine conférence de presse pour vous donner la quintessence de la soirée féerique que nous voulons proposer au public et aux yeux du monde pour montrer que le Burkina Faso, malgré ce qu'on sait et ce qu'on dit, reste debout. C'est vrai que le contexte est très difficile, comme on l'a dit à la conférence de presse, mais je pense que chacun, à son niveau d'activité, peut faire l'effort de montrer sa résilience et de donner de l'espoir à la population. En plus des nominés des Koundé d'Or 2024, Adama Zongo, Madi Zampou et Yaya Ouattara sont les nominés de la catégorie meilleur artiste de musique traditionnelle. Ella Ninkiema, Jonathan Napon et Sœur Anne-Marie Kabore sont les nominés de la catégorie meilleur artiste de la musique religieuse. Doni Doni de Djeli Karim, Lengue de Amzi et Nawala de Dayeri sont les nominés de la catégorie Koundé de la meilleure chanson moderne d'inspiration traditionnelle. Actualité internationale avant de refermer cette édition, le Haut Commissariat des Nations Unies a exigé l'abrogation de la mesure de suspension des activités des partis politiques au Mali. Le Haut Commissaire des Nations Unies a affirmé qu'il est profondément préoccupé par le décret suspendant les activités des partis politiques. Rappelons que le gouvernement malien a décidé de suspendre les activités des partis politiques et des activités à caractère politique des associations jusqu'à nouvel ordre. La vie m'a appris une chose. Pour être heureux, il faut trouver la force de fermer certaines portes et le courage d'en ouvrir d'autres. Parce que tant que vous n'aurez pas la force de repousser tout ce qui vous rend malade, alors vous ne serez jamais heureux. C'est tout pour cette édition du soir que j'ai pris d'ailleurs du plaisir à vous partager. Merci à vous pour votre constante fidélité. Excellente suite de programme en compagnie, bien sûr, des programmes de Savanti.